La grâce et la paix vous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit se saisit des disciples du Christ. Dans leur diversité, ils se font entendre des uns et des autres. Que l'Esprit se saisisse de chacun de nous, là où il est, et nous saurons être signes de la présence de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant, en Zacharie 4, verset 6. Invoquons ensemble cet esprit d'unité pour qu'il vienne resplendir dans nos cœurs et nous revêtir de sa puissance. Chantons, viens, Esprit de sainteté. Lecture du psaume 118, les versets 24 à 29. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, emmenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Thank you.
Seigneur, tu t'es fait l'un des nôtres, partageant nos souffrances, notre vie et notre mort, pour que nos jours soient transformés. Recréé à ton image, rempli de ton esprit, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous enchaîne, de nos peurs inutiles, de notre dureté à l'égard des autres, de notre volonté d'avoir raison à tout prix, pour que nous retrouvions, pour nos frères et nos sœurs, un regard clair d'amour et de justice. Fortifie sans cesse notre vie, Seigneur, pour qu'elle retrouve fraîcheur et spontanéité. Que nos pensées et nos actes retrouvent la force de l'espérance. Que nous soyons libérés des préjugés qui paralysent et que nos projets soient inspirés par ta volonté, créatrice d'amour et de vie. Amen. Tu as connu la mort. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 19 et 23 à 27. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Proposé pour la prédication dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'entre eux. Tous sont remplis de l'esprit, et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des juifs venus de tous les pays du monde.
ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris, car chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration, et ils disent « Tous ces gens ne sont-ils pas des Galiléens ? Alors comment chacun de nous peut-il entendre parler dans la langue de son pays ?» Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquent des croyants en disant, ils sont complètement ivres. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9h du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires, en haut dans le ciel, et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Sœurs et frères au Christ, après quelques semaines de confinement, nous avons appris et intégré de nouvelles notions, à savoir la distanciation sociale et les gestes barrières. Nous avons dû accepter de ne plus nous retrouver les uns les autres, nous séparant ainsi de nos proches, de nos parents, de nos amis, de nos collègues et de nos camarades. Nous avons dû rester confinés, chacun chez soi, en réfléchissant à la nécessité de sortir et à la validité de notre auto-attestation. Plus dur encore, il nous a fallu apprendre à nous méfier les uns des autres, soupçonnant parfois les personnes que nous apprécions le plus d'être porteurs d'un virus potentiellement mortel. Certainement aussi notre regard sur les personnes qui partagent notre environnement a changé, avec toujours la même question. Et s'il était porteur de ce cauchemar en puissance qu'est le coronavirus ? Pire encore, nous avons dû nous demander si nous-mêmes nous ne serions pas vecteurs de ce virus, participant bien malgré nous à sa diffusion, contaminant celles et ceux qui partagent nos vies. Se demander si l'on est porteur sain, avoir peur de faire inconsciemment du mal, traquer les signes de la maladie chez soi, c'est là quelque chose qui s'est immiscé insidieusement dans nos vies. La peur de l'autre, la peur de soi, avec pour corollaire
le repli qui est plus fort que le confinement. On reste chez soi, dans une bulle de sécurité, en espérant traverser ce temps de perturbation sans souffrir, sans avoir à faire souffrir. En quelques semaines, notre manière de faire et d'interagir avec ceux qui nous entourent a profondément changé, que nous l'acceptions ou pas. À l'heure actuelle, il nous est encore difficile d'aller sereinement les uns chez les autres, les uns vers les autres. Vous l'avez peut-être remarqué, certains gestes anodins nous sont devenus étranges, comme par exemple le fait de se serrer la main ou de se faire la bise. Quand nous voyons aujourd'hui le faire à la télévision, nous ne pensons qu'à une chose subversive, dangereuse, révoltante, quelque chose d'avant le confinement. Les gestes d'affection sont désormais réservés à la stricte intimité du foyer, lui-même d'ailleurs pouvant devenir un effrayant cluster. Nos assemblées dominicales, nos rencontres paroissiales, nos activités d'église ont aussi été impactées par ces mesures de distanciation physique. Si vous nous regardez aujourd'hui encore en vidéo, c'est bien parce que, aujourd'hui encore dans notre consistoire, les églises sont restées fermées, en attendant de trouver la solution la plus adéquate pour vous accueillir. Nous espérons que cela se fera dans les prochains jours, même s'il faut instaurer des conditions d'accueil, qu'il faudra aussi nommer conditions de sécurité. Le texte des apôtres que nous lisons aujourd'hui vient apporter un éclairage neuf sur notre situation. On y voit les disciples se retrouver dans une même pièce, à plus de 10 certainement. Le nombre d'ailleurs n'est pas précisé, mais on sait qu'il y a au moins les 11 apôtres choisis par Jésus et le 12e qui remplace Judas, un certain Matthias qui vient d'être élu. Dans une précédente assemblée, ils sont à peu près 120. On peut imaginer qu'ils sont aussi nombreux ce jour-là. À l'époque, il n'y a là encore rien d'alarmant. Ils se sont rassemblés entre croyants, entre chrétiens, dirait-on aujourd'hui. Cela peut nous paraître chouette, car ils forment ainsi le début de ce qui pourra devenir l'Église. Le fait de se rassembler est alors vécu comme une chose bonne. Elle permet de constituer une communauté, un lieu de partage, un lieu d'échange. Mais à bien y regarder, la peur est aussi présente, sans dire son nom. Si les apôtres se retrouvent tous, s'ils se rassemblent en un même lieu, c'est que pour l'instant, ils ont peur de s'éparpiller, d'aller dans le monde pour témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. À l'ascension, le Christ Jésus leur a pourtant commandé, et je cite, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant et en leur apprenant tout ce qu'il leur a prescrit. Ce n'est certainement pas en restant à Jérusalem, dans une maison peut-être fermée, que cela va se faire. Certainement, ils ont eux aussi peur de mourir, non pas parce qu'une maladie les aura contaminés, mais parce qu'on les aura aussi dénoncés devant les autorités qui ont réussi à faire condamner leur maître Jésus. Ils se confinent et se protègent. On ne peut d'ailleurs pas leur en vouloir. La peur est la plus forte et le mouvement naturel est le repli sur soi ou sur sa communauté. Quand l'Esprit de Dieu descend sur eux, il y a là encore quelque chose d'effrayant. Dans un grand vacarme, dans un vent violent, des langues de flammes se déposent sur les apôtres.
Certainement, ils ont encore peur. On serait effrayé pour beaucoup moins. Mais voilà, plutôt que de faire fuir tout le monde, cet événement va rassembler une foule plus nombreuse encore, une foule qui vient des quatre coins de l'horizon. Et les disciples, au lieu de s'enfermer encore plus profondément dans leur peur, vont prendre la parole et s'adresser en une multitude de langues à ceux qui sont présents. Le mouvement va maintenant vers l'extérieur, vers les autres, vers ceux qui leur faisaient peur. Bien sûr, le danger est encore là, représenté par les incrédules qui les considèrent comme étant ivres. Tout n'est pas devenu facile en un tour de main. Mais maintenant, la confiance est plus grande que la peur. Pour illustrer cette nouvelle situation, on verra Pierre prendre la parole d'une voix forte pour proclamer le changement à venir. On se souviendra alors que c'est ce même Pierre qui avait renié, par peur, le Christ à trois reprises. On entend dire ces paroles pleines d'assurance. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. D'ailleurs, on peut lire entre les lignes que ce qu'il annonce, avec les éléments naturels qui se déchaînent, fait aussi peur. Mais c'est une peur qui est maintenant contenue et qui a une perspective. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Les disciples vont enfin partir dans le monde, créer des communautés, parfois au risque de leur vie. Un de leurs disciples, Paul, deviendra célèbre d'abord pour les avoir persécutés et ensuite pour avoir engagé sa santé et sa vie au service de l'annonce de l'évangile du Christ. A-t-il eu peur? Oui, certainement, plus d'une fois. Pourtant, il a persévéré. Aujourd'hui, nous sommes appelés, nous aussi, à dépasser la peur pour aller dans le monde et être des témoins du Christ en aimant. Il ne s'agit pas de fanfaronner et de faire comme si le danger n'existait pas ou plus, ou de prétendre que nous sommes plus forts que lui. Il ne s'agit pas d'ignorer les mesures de protection de soi et des autres, mais de remplacer la peur par une confiance sereine en l'avenir. Pour ce faire, il nous faudra puiser à la même source que les apôtres. Pour être capable d'aller vers les autres, pour être capable de surmonter la peur, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas là un ingrédient magique, une sorte de potion magique, oserais-je dire, un vaccin. En ce jour de Pentecôte, nous sommes appelés à nous souvenir que le Saint-Esprit est cette force d'amour donnée par Dieu. Une force qui vient nous fortifier nous-mêmes, mais aussi une force que nous pouvons mettre à disposition des autres. On pourrait le dire autrement en disant qu'il s'agit de cette joie profonde de se savoir aimer et de pouvoir aimer les autres à notre tour. Comme les disciples qui ont eu le courage de se détourner du repli sur soi et de l'entre-soi, nous sommes nous aussi invités à aller vers les autres. Faisons-le avec confiance, avec respect et avec cet amour qui nous est donné. Peut-être que nous pourrons alors réinventer notre monde, inspiré par l'Esprit Saint. La distanciation sociale deviendra simplement une distanciation physique. Les mesures barrières deviendront des gestes de prévention. Et le déconfinement deviendra l'opportunité de partager des
tant de communautés où chacun a sa place, en respectant et en accompagnant les autres, en les aimant et en leur disant à notre tour combien ils sont aimés de nous-mêmes qui les protégeons et de Dieu qui est toujours à nos côtés par son esprit et dans son amour. Amen. Et nous voulons ensemble confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Viens, Esprit de lumière,
désirons partager avec nos sœurs et nos frères ce que nous possédons et ce qui leur manque, ce qu'ils possèdent et ce qui nous manque. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Viens, Esprit de paix, viens et nous irons nous réconcilier avec nos sœurs et nos frères. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Viens, Esprit de miséricorde. Viens et nous irons offrir à nos sœurs et nos frères en larmes le réconfort d'une présence et d'une écoute. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Viens, Esprit des croyants, viens nous rendre semblables à Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver du mal et de la mort. Viens. Viens, Esprit de Dieu, descends sur nous maintenant. Viens, Esprit de lumière, remplis notre vie. Esprit de Dieu, viens et fais jaillir en nous l'esprit de l'Évangile. Amen. Et ensemble nous disons d'une seule et même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.